La suite du magazine sur CNews. Et comme promis, nous recevons une aventurière au sens propre du terme. Karine Baillet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Aventurière de l'extrême, on n'a pas peur des mots. Vous êtes auteur de ce livre que j'ai à proximité, Conquête de femmes aux éditions du Panthéon. Alors vous avez un palmarès absolument impressionnant, des trentaines de pays traversés, deux podiums au championnat du monde de raid. Vous êtes la première femme à avoir traversé la Manche sur quatre embarcations différentes. J'en passe parce qu'il y en a beaucoup. Comment devient-on une aventurière ? Bah déjà, j'étais d'un environnement où on n'était pas forcément sportif, avec un papa qui tenait qui était taxi, une maman qui tenait un café. On parlait d'éducation juste avant, les instituts à l'école qui ont dit à mes parents, il faut que votre fille fasse du sport. J'ai commencé par l'athlétisme et puis rapidement, on m'a demandé de participer à un raid multisport. Donc au départ, on faisait ça de manière amateur, avec des copains. Et puis à l'époque, il y avait le raid gaulois, je vois que vous en montrez des images qui existaient. Ça a été un des premiers rêves de participer à ce genre de course. Donc pour rappel, un raid gaulois, c'est faire 1000 km à pied, en vélo, en kayak pendant 5-6 jours et surtout en équipe, donc 3 hommes, une femme. Et j'ai vécu mes premiers raids pour les finir. Et puis rapidement, j'ai été recrutée par une équipe qui voulait non plus finir un raid gauloise, mais essayer de le gagner. Et je me suis vraiment prise de passion pour cette activité. Alors, pourquoi ? Qui est très exigeante. Hein. Oui, qui est exigeante parce qu'elle demande le dépassement de soi, elle demande de bien se connaître, de connaître les forces et faiblesses de chacun, de s'adapter à la nature. Ça demande aussi une hygiène de vie, forcément un entraînement considérable. Et puis d'être multisport, et ça me plaisait de pouvoir alterner tous les sports en pleine nature et donc s'adapter à la nature. J'imagine qu'il faut quand même une condition physique particulière, des qualités particulières. Ben, je pense qu'il faut déjà de l'endurance. Hein. Quand on fait 1000 km, il faut avoir des qualités d'endurance. Il faut avoir vraiment un esprit d'équipe poussé, parce que quand on est individualiste sur ce genre de course, ça ne fonctionne pas. Et puis, il faut aussi s'adapter, parce qu'on dort peu la nuit, on se lave peu pendant 5-6 jours. Et donc, des capacités d'adaptation au terrain et puis aux autres. Quelles sont vos limites ? Je pense que toutes les années où j'ai pu faire du raid, j'ai pas touché mes limites. En tout cas, je me suis jamais dit qu'est-ce que je fais là et il est temps d'arrêter. Vous sentiez que vous aviez encore de la marge ? Je trouve qu'on a de la marge et je prône vraiment le fait qu'on a en nous des ressources insoupçonnées. Le raid gauloise qu'on a pu remporter en 2002 au Vietnam, pendant 6 jours, on a dormi moins de 10 heures en étant dans des conditions vraiment difficiles. Mm-hmm. Et avant de le faire, on ne pouvait pas penser être capable de faire ce genre de choses. Pourquoi ce livre d'ailleurs ? Pourquoi maintenant décider de revenir sur votre parcours ? Est-ce que c'est une page qui se tourne ou pas du tout ? Oui, c'est une page qui se tourne. La décision elle a été prise au Marathon des Sables que j'ai pu faire en 2012. C'est aussi un partage parce que ce livre a été écrit sous la plume de Sophie Chégaré qui me suivait en tant que journaliste. Et le but a été d'aller au-delà de ces épreuves, au-delà du factuel, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui nous pousse à faire ce genre de choses, les sensations, les émotions, qu'est-ce qu'on en apprend. Parce que en 20 ans de raid multisport, je suis devenue capitaine en 2003 dans un milieu masculin, j'ai appris beaucoup de choses que je partage aujourd'hui en entreprise ou avec des étudiants en intervention. Et toutes ces clés, finalement, j'avais besoin de les creuser et puis de les partager. Vous parlez effectivement d'un environnement masculin, j'imagine que le titre n'a pas été choisi au hasard, loin de la conquête de femmes, c'est important. Oui, c'est important. Maintenant, moi, j'ai évolué, comme je disais, dans un milieu masculin avec des hommes, mes équipiers, sur lesquels vraiment je comptais. Maintenant, j'ai dû faire ma place en tant que capitaine, mener mon équipe vers la performance. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup. Ça s'appelle conquête au pluriel parce qu'il y a toute la vie de raid multisport, mais pas que. Il y a aussi la vie de femme, la vie quand on s'entraîne 25-30 heures, forcément, il faut tout concilier. Donc, c'est un partage d'expériences où je parle des réussites, mais aussi des échecs et comment les surmonter, finalement, comment aboutir à ses rêves. Et j'espère donner envie aux autres d'aller chercher leur challenge et d'aller au bout d'eux-mêmes. C'est un geste de transmission. Est-ce qu'il y a une image que vous voulez retenir de votre carrière, de cet ensemble d'aventures que vous avez vécues ? Des moments forts, il y en a eu vraiment beaucoup. Je parle du raid gaulois, c'est vrai, quand on a fini avec 130 km de kayak dans la baie d'Along, où on a navigué toute la nuit, on était vraiment fatigués. En plus, en kayak, on est en position assise, donc on avait...
parfois envie de dormir. Donc on se motivait vraiment les uns les autres pour aller chercher cette victoire. Et quand la nuit, quand le jour s'est levé, où on a découvert la baie d'Alon, qu'on était en vainqueur, ça a été vraiment un grand moment. Mais je pense que dans tous les raids, on a eu des moments forts. Merci beaucoup Karine Baillet, auteure de Conquête de femmes. Merci d'être venue sur le plateau de CNews nous faire partager un petit peu de vos aventures. Le magazine continue sur CNews.